מקשר עצמי לכל הצדיקים הקטעים שמורנו לפה הצדיקים הקטעים שאומרים לכל אופן תמינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נו ימי כוחו כמו רבינו רבי נחמן נפגעי שמחה נענח נחמן נחמן ומזירותו יגן עלינו וישראל אמן בעזרת השם בסייעתא דשמיא on va essayer de partager ensemble la suite du Likutei Moran 17 quelques jours de Shavuot on va essayer de se préparer aussi à Shavuot bezrat Hashem avec vous qui suivez le shiur avec vous qui venez au shiur Baruch Hashem on va essayer de travailler ensemble de recevoir encore une fois la lumière du Tzadik la lumière de Rabbeinu Akadosh à travers ses enseignements à travers le Likutei Moran donc on avait laissé si vous vous rappelez bien que ces paroles de Torah évidemment soient pour la réfoua chez les malades de tout Am Israël de tous les malades de Am Israël qu'on n'ait que des bonnes nouvelles et pour l'élévation de l'âme de tous les chamots de Shod dans Israël et dans la Hachem. Donc, si vous vous souvenez bien, hein, dans l'Écoute Moharan la semaine dernière, l'Écoute Moharan 17, on avait expliqué que Rabbeinu expliquait finalement que Akadosh Baruch Hu Ishtabar chez Molarad, il avait cette capacité, cette volonté de recevoir, de tirer de Am Israël de l'Aït Parout. On avait dit l'Aït Parout, c'était quoi? C'était ce sentiment de plaisir, de nachat, de satisfaction, comme un père avec ses enfants, que Hachem pouvait avoir avec nous. Et on avait expliqué que ça, ce sentiment-là que Hachem voulait recevoir de nous et qu'il avait prévu déjà depuis la création du monde de recevoir de nous, ce sentiment-là, finalement, il déterminait toute la création. Maintenant, Rabbeinu passe dans le Hot, pour celui de ceux qui suivent dans le livre, dans l'Écoute Moran 17, dans le Hot Bet, dans la deuxième section. Celui qu'on va commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est Aïch Maya. Rabbeinu Akadosh, il va dévoiler, il va déterminer, il va normalement répondre à une question que tout le monde se pose. Mais alors, comment ça se fait que chacun d'entre nous, on a le plus souvent du monde, si ce n'est pas du tout, mais très peu, ni de crainte, ni d'amour pour Akadosh Baruch Hu? Alors que c'est bien sa volonté qu'on en ait. Et c'est là que toute la création a été faite que pour ça, que pour qu'on puisse émettre de la crainte et de l'amour envers Hachem, et que Hachem lui-même reçoive de cette crainte, de cet amour, du plaisir, un sentiment de satisfaction qui entretient la relation entre l'homme et son créateur. Et Rabbeinu va nous dire, on va le lire dans l'Écoute Moharan, que finalement, il y a un gros problème dans le système du monde, qui n'est pas un problème puisqu'il a été créé par Hachem et qu'il est en vérité la condition pour que ça fonctionne. Mais il y a une situation qui est problématique, on va dire, et on va la découvrir ensemble, qui fait en sorte que malheureusement, un homme, souvent, dans sa vie, va oublier la crainte et l'amour, ou ne va pas ressentir dans son cœur ni de crainte ni d'amour pour Hachem. Lorsqu'un homme, chez lui, le mot qui est utilisé chez Rabbeinu dans l'Écoute Moharan, c'est en traduction, ça voudrait dire qu'il s'est obscurci. Normalement, je vous ai déjà expliqué déjà plusieurs fois que le concept de la création du monde, c'est une lumière intense d'Akadosh Baruch Hu qui ne fait que descendre 24 heures sur 24 sur le monde. Et sur chacun des individus, on a une lumière intense qui est censée nous apporter abondance, santé, Shefa, Parnassa, Torah, tout ce que vous voulez. Tout est censé descendre normalement sur un individu simplement parce qu'il a la volonté de se connecter, parce qu'il a de la crainte et de l'amour, parce qu'il nourrit avec cette filote, avec sa crainte, avec son amour, avec ses composantes et ses comportements, la relation avec son créateur. Donc Rabbeinu, il demande, alors pourquoi un homme, il ne reçoit pas tout ça? Alors il dit que chez certains, beaucoup d'entre nous malheureusement, ou des fois c'est périodique, des fois c'est certain dans certaines périodes de la vie, où il se trouve que la crainte et l'amour de Dieu, chez une personne, elle s'obscurcit. Bechinat, c'est l'aspect, dit Rabbeinu Al-Kadosh, de ce qui est écrit finalement dans la Torah, Albi Shamaim Kadrut Vesak Asim Kesotam. En traduction littérale, c'est je revêtrai sur moi les cieux d'obscurité et je m'habillerai d'un sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'homme, il y a une certaine, ce qu'on appelle les clipotes de façon générale, ce qu'on a aussi beaucoup développé à travers différents enseignements, qui est finalement des sortes de sacs qui englobent plus particulièrement le cœur de l'homme, et de façon générale l'homme en entier. On les a définis comme les clipotes de la matérialité en général, des envies, des mauvaises midotes de l'individu, qui vont faire, des mauvais traits caractères de l'individu, qui vont faire finalement qu'un individu, eh ben, il n'est pas parfait, et il a, en tout cas, dans son essence, oui, c'est ce que nous dévoile Rabbeinu, mais dans sa réalité, dans l'interface avec le monde,
Eh bien, il y a des clipotes qui vont faire que l'essence parfaite qu'il a, ou la nature divine qu'il a, ne s'exprime pas finalement si divin que ça à l'extérieur. Il dit Rabbeinu Zeberinat Eshumaim, c'est l'aspect de. Vous savez que le Shamaim, donc le ciel, vous savez qu'en hébreu, chaque mot, en vérité, c'est sa définition, vient définir la création, l'identité de la chose elle-même. C'est pour ça que c'est du Lashon HaKodesh. On sait que l'hébreu, ce n'est pas une langue qui a été inventée comme ça, mais c'est bien Akadosh Baruch Hu qui a choisi les mots, qui les a mis finalement dans la bouche de Adam Arishon par Ruach HaKodesh. Et Adam Arishon, en définissant ce qu'est un arbre, Aetz, donc Aïn et Tzadik, ça a défini vraiment ce qu'est l'arbre. Et celui qui sait vraiment, comme ceux qui connaissent un peu la Kabbalah, ou même le Arizal déjà à son époque, il savait que qu'est-ce que le Aïn, qu'est-ce que le Tzadik dans toutes ses composantes, et il savait que la seule façon de créer un arbre, c'est de réunir ces deux lettres, puisque tout le monde a été créé avec des lettres. Donc là aussi, nous dit Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Nachman de Breslev, lorsque Hachem a créé le Shamaïm, c'est quoi la définition du ciel? C'est qu'il y a du shalom dans le ciel. C'est qu'il y a une paix. Une paix entre quoi? La paix n'existe que s'il y a des contraires. C'est un peu le principe, on l'a déjà dit la semaine dernière, entre un homme et sa femme, ou entre un père et son fils, ou entre différents aspects, mais en particulièrement entre un homme et sa femme, ce qu'on appelle du shalom bayit. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une vraie paix, il faut d'abord qu'il y ait deux contraires, un peu comme des aimants. Vous voyez que les aimants, si vous en mettez la même polarité, vous avez beau les frotter tant que vous voulez, ils vont tout de suite s'éloigner les uns des autres. Mais si vous avez deux polarités qui sont opposées, les aimants s'attirent d'eux-mêmes, un peu comme un homme et sa femme. Normalement, un homme et sa femme, ce qui en vérité est la plus grande bénédiction, ce qui a l'air fou en vérité, mais la plus grande bénédiction d'un couple, c'est qu'ils soient différents. Parce que sinon, ils ne s'attireraient pas. Alors vous allez me dire, mais attends, mais la différence, c'est ça qui crée les conflits, c'est ça qui crée les problèmes, c'est vrai aussi. Mais en vérité, si vous comprenez bien le principe de la création, c'est que en vérité, le problème est en vérité la solution. C'est-à-dire que la différence entre un homme et sa femme, c'est ça le pôle d'attraction. C'est ça qui fait qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Et que là, et alors maintenant, effectivement, c'est une différence. Effectivement, il va falloir la surmonter, pas pour la gommer, pour faire en sorte que cette différence permette l'union et pas la désunion. Ce qu'on appelle en vérité, en termes francophones, ce qu'on appelle la communication. La communication, c'est quoi? C'est mettre quelque chose en commun. C'est-à-dire que nos différences créent un commun ensemble. C'est deux différences qui s'unissent pour faire une seule et même pièce d'aimant, qui finalement, en vérité, est à l'origine deux pièces d'aimant qui étaient complètement opposées, qui se sont attirées. Donc ça, c'est le principe aussi au niveau du Shamaïm. Pourquoi on appelle le Shamaïm le ciel Shamaïm, dira Rabbeinu HaKadosh? C'est parce que ça vient du mot Esh, qui est le feu, et Maïm, qui est l'eau, deux éléments a priori qui sont complètement contraires, mais qui, dans le ciel, ont réussi à faire la paix, et où Hachem a réussi à faire la paix entre eux, et finalement, cette union-là, cette paix-là, a créé le Shamaïm. Donc, dit Rabbeinu HaKadosh sur cet enseignement-là, Itlabish bekadrut venechashachim venitkassim. Donc, un homme, normalement, lorsqu'il est en état d'amour et de crainte d'Hachem, alors il est en état de shalom, on l'avait dit déjà aussi la semaine dernière, il est en état de paix. Une paix extérieure, c'est-à-dire avec sa femme, son entourage, ses enfants, mais surtout c'est une paix qui vient de son intériorité. C'est une paix intérieure. Pourquoi? Parce que l'individu, il n'a pas de conflit intérieur. Même si il est forcément différent de ce qu'il aurait pu imaginer être, ou ce qu'il voudrait être, il accepte la réalité que Hachem lui a donnée, les qualités que Hachem lui a données, les potentialités que Hachem lui a données, les forces que Hachem lui a données. Il accepte aussi les défauts que Hachem lui a donnés. Il accepte les choses qu'il a besoin de travailler. Et il est en constant remise en question pour améliorer les défauts et leur permettre d'être au service des qualités et pour maximiser les qualités. Et quand il est en shalom avec lui-même, c'est le principe de la Hidwa des doutes, de ces moments si particuliers de discussion avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on arrive à être en paix avec nous-mêmes, alors on peut être petit à petit en paix avec les autres. Et lorsqu'il y a un conflit, un bon conseil qui d'ailleurs est adopté dans les nations du monde, pas seulement chez les Juifs, mais un bon conseil qui est à faire lorsqu'il y a un conflit, c'est de tout de suite comprendre que le conflit ne vient pas de l'autre. Il vient de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un conflit intérieur qui fait qu'il vient s'exprimer avec l'autre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous allez me dire, quand vous êtes en conflit avec votre femme, c'est vous qui avez tort. Alors oui, mais pas seulement. Peut-être que votre femme aussi, elle a un conflit personnel, mais vous-même, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans la réalité que vous vivez avec vos enfants, avec vos femmes, avec votre travail, avec ce que vous voulez, c'est parce que c'est l'expression d'un conflit intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, je vais vous donner un exemple qui peut peut-être paraître bête, mais peut-être vous allez le comprendre facilement. Des fois, vous avez un conflit avec votre enfant. Et par exemple, vous lui demandez
de ranger sa chambre, ou peut-être vous avez passé un bon moment avec lui, et puis tout de suite, il en demande trop, toujours un peu plus. Et là, vous vous énervez, vous dites, je ne comprends pas. Lui, je lui ai tellement donné aujourd'hui, j'ai tellement d'attention, tellement d'amour, etc. Et encore, il me monte dessus, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Ça veut dire que cet enfant-là, je le gâte, je pourris. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comment vous réagissez à ça? Très simplement, vous réagissez en disant, c'est quoi qui me gêne dans la situation? Que lui, il a une réaction qui peut être disproportionnée, ça peut arriver, et ça peut être géré, c'est une chose. Mais que moi, face à cette situation, je sois gêné, je sois écœuré, je sois énervé, ça montre que chez moi, il y a un conflit intérieur. Alors peut-être que ça vient de votre enfance, ça vient du fait que on vous a donné beaucoup moins, vous étiez beaucoup plus satisfait à l'époque, donc vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant avec beaucoup plus, il est moins satisfait. Ça peut être plein de facteurs. Ça demande une remise en question, ça demande une bonne écoute et une bonne doute qui va permettre de créer du shalom, du shamaïm entre le hesh et entre le feu et l'eau qui est en vous, pour permettre que la réaction qui soit face à la réalité que vous vivez soit pas disproportionnée, mais soit une réaction qui soit proportionnée à la réalité que vous vivez. Ça doit être une réaction qui doit être sans énervement, sans stress, sans angoisse, sans débalancement émotionnel. Dès qu'il y a un débalancement émotionnel, sachez-le, c'est parce que vous avez à l'intérieur de vous un déséquilibre émotionnel qui est dû à justement un manque de shalom, un manque d'union à l'intérieur de vous-même et de nous-mêmes. On est tous comme ça. Le problème, il est que beaucoup d'entre nous, on n'a pas ni la force physique, ni psychologique, ni la volonté de vouloir s'améliorer, de vouloir changer, de vouloir mettre des pauses dans notre journée pour prendre un papier et un stylo et dire, ok, il s'est passé ça, qu'est-ce qui a fait en sorte vraiment, c'est complètement disproportionné, je me suis énervé, j'ai crié, alors que finalement, quand j'analyse la situation à froid, qu'est-ce que mon fils m'a demandé, ou qu'est-ce que ma fille m'a demandé, ou qu'est-ce que ma femme m'a demandé, à ce moment-là, vous êtes capable petit à petit de mettre des points sur des problèmes intérieur et vous êtes capable de les régler au fur et à mesure. Donc Rabbeinu, il dit ici que malheureusement, l'individu lorsqu'il ne fait pas ce travail-là et lorsqu'il se laisse avoir, alors petit à petit s'obscurcit son amour et sa crainte pour Dieu et c'est vrai pour toute relation humaine en vérité. Donc elle s'évapore, elle s'obscurcit la crainte et l'amour. Et puisqu'on a dit que la crainte et l'amour viennent du tzaddik, c'est lui qui a cette responsabilité-là d'insérer ça dans le cœur des juifs. Chez Mimenome Kablim Irava, puisque de lui on sort la crainte et l'amour. Parce que des fois, même si on est. Moi je l'ai vu des fois, je vois les réactions différentes quand j'amène des gens à Ouman, en particulier à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui accrochent tout de suite, qui sont en feu, et qui ressentent dans leur cœur de la crainte, de l'amour, des sentiments forts, et puis d'autres qui passent un bon moment. Mais finalement, même à Rosh Hashanah, et même si évidemment au niveau de leur Neshama, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr, mais au niveau de la réalité qu'ils sont en train de vivre, ils sont avec des clipotes tellement forts que même la plus grande des lumières ne fait que virer finalement qu'un faisceau lumineux qui apparaît dans leur Neshama, en tout cas dans leur corps. Mais et quoi? Et donc, nous dit Rabbeinu que même si tu es proche du tzaddik, des fois tu ne sens pas sa lumière. Tu n'es pas capable de sentir ni de goûter la lumière du tzaddik. Pourquoi? Parce que normalement, grâce à ça, il ne devrait plus avoir de birour chez toi. Il ne devrait plus avoir même de libre arbitre devrait s'annuler. Parce que c'est tellement la vérité t'apparaît tellement grande que finalement, il y a plus de mal. Alors pourquoi c'est pas le cas? Moi chez Matinon Gabé, comme on a dit. Alors voilà pourquoi c'est pas le cas. Premièrement, il explique le concept à travers Ephron. Ephron, c'est dans la Torah celui qui avait ou Marat Amarpella, donc le caveau des patriarches aujourd'hui où est enterré Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yaakov et Léa, Rivka et Yitzhak, donc les quatre patriarches ainsi que les quatre matriarches. Même si Rachel, elle, a été enterrée en dehors pour d'autres raisons qu'explique la Gemara. Mais pourquoi? Pour ce caveau des patriarches, me dit la Torah dans Bereshit, il était sous l'acquisition, il était sous la possession d'un homme qui s'appelait Ephron. Maintenant, Ephron, il voit venir Abraham devant lui, qui est prêt à lui donner beaucoup d'argent pour cette terre, pour ce morceau de terre. Abraham, lui, la Torah nous explique, le Midrash nous explique qu'il avait perdu un agneau, il l'avait suivi jusqu'à
jusqu'à cet endroit-là, et il avait senti la porte du Gan Eden là-bas. Donc il est prêt, il comprend que là-bas est enterré déjà Adam et Chava. Il sait que c'est là-bas qu'il veut enterrer sa femme Sarah, et qu'il veut lui-même être enterré, et qu'il veut que ses enfants soient enterrés, puisque c'est la porte du Gan Eden. Et jusqu'à aujourd'hui, le Zohar nous dit que c'est la porte des Tfilot, c'est-à-dire que les Tfilot passent par Yerushalayim, et ensuite vont jusqu'à Hebron, et montent en haut dans le ciel. Donc Abraham, il a compris, il a senti, il a vu la lumière de cet endroit-là. Il arrive devant Éphron, et Éphron ne comprend pas. Éphron ne comprend pas pourquoi Abraham veut de ce terrain-là. Au contraire, Éphron, qu'est-ce qu'il a vu de ce terrain-là? Il sent mauvais, il sent l'obscurité, il a peur de s'y approcher. Pourquoi? Parce qu'il entend des bruits, et il est pas bien avec ça. Pourtant Abraham, nous dit le Midrash, il a vu de là le Gan Eden. Il a vu que cet endroit, c'était la porte du Gan Eden. Comment ça se fait qu'Éphron ne l'a pas vu? Alors Rabbeinu HaKadosh, ici dans ce Décoté Morah, nous explique qu'en vérité, la vision d'un homme, malgré que vous êtes devant la lumière, ça dépend de ce qu'il y a devant vos yeux. Si vous avez des clipotes qui obscurcissent vos yeux, comme des pièces, comme il le dit dans un Décoté Morah de Rabbeinu HaKadosh, au nom de son grand-père, le Baal Shem Tov HaKadosh, qui disait que même si vous avez la plus belle vue du monde devant vous, la plus belle mer, la plus belle plage, le plus beau paysage, si vous avez une pièce de 50 sous qui vous obscurcit les yeux, très proche de vos yeux, vous ne verrez rien. Eh bien, pire que ça, nous dira Benoît Kadosh, lorsque les clipotes sont fortes, elles affaiblissent la vue. Et maintenant, Ephron, il voit à travers les clipotes qu'il a, à travers les mauvaises midotes qu'il a, et à travers le mauvais qu'il a, il va voir de cet endroit-là, alors que c'est le Gan Eden, il va en voir quelque chose de mal. Il va dire, cet endroit-là, je n'en veux pas, je le donnerai, moi, en vérité. Mais bon, comme je vois quelqu'un qui est intéressé à l'acheter, eh bien, je vais lui vendre. Mais finalement, il l'aurait donné. Alors, comment un homme, il peut donner son Gan Eden? Comment un homme, il peut posséder la porte du Gan Eden et la donner? Simplement parce que lui-même, il n'est pas travaillé. Lui-même, il est plein de clipotes. Et donc, toute sa réalité, elle est influencée par les clipotes. Un homme peut avoir la meilleure femme du monde pour lui, les meilleurs enfants du monde pour lui, il peut avoir le meilleur travail du monde pour lui. Il est tout le temps triste, tout le temps à se plaindre, tout le temps à être angoissé, stressé, à avoir peur. Pourquoi? Parce que les clipotes, donc ces aspects-là de sac qui l'entourent, on va dire, ou d'enveloppes qui l'entourent, des enveloppes mauvaises, font en sorte que sa perception de la réalité est non seulement pas amoindrie, elle est salie, et finalement, l'individu, il est plus capable de gérer sa vie correctement, de faire les bons choix, parce que sa vision est complètement faussée. Et un homme, il a la meilleure femme du monde, mais il se dispute toute la journée avec elle, il ne voit que ses défauts, il a les meilleurs enfants du monde, mais il ne voit que leurs défauts, et il vit en terre d'Israël, il ne voit que les défauts de la terre d'Israël. Finalement, c'est son mariage qui va le rejeter, il va divorcer, c'est ses enfants qui vont le rejeter, ils vont plus vouloir entendre parler de lui. Et la terre d'Israël va le vomir, comme le dit la Torah, que tout celui qui critique la terre d'Israël, elle finira par le vomir. Donc finalement, il avait tout pour être heureux, mais parce qu'il ne s'est pas travaillé, parce qu'il n'a pas purifié son intériorité, ses conflits intérieurs, et ses mauvaises tendances, ses mauvaises midot, il va finir malheureusement par perdre tout. Hein, c'est en ce point-là que j'aimerais qu'on pense déjà dans quelques jours à l'acceptation du rôle de la Torah, une nouvelle fois de la Torah, puisque d'une nouvelle fois on va recevoir la Torah cette année. Et la Torah va redescendre au Har-Sinaï et va redonner au peuple d'Israël, dans quelques jours, dans une semaine environ, pas environ, dans une semaine exactement. Et la Torah, c'est la même chose. La Torah, le Zohar nous dit que tous les jours, il y a une voix qui crie depuis Har-Horev, donc depuis l'endroit où va être donnée la Torah. Depuis cette montagne-là, elle crie des mots de Torah, elle crie à l'homme juif de revenir vers lui, à la femme juive de revenir vers lui, de faire tsniout, de manger kasher, de faire Shabbat, de respecter la Torah, de respecter les mitzvot. Ça crie, ça crie, ça crie, il y a une voix qui crie. Et pour ça, personne ne l'entend. Alors, le Baal Shem Tov HaKadosh pose la question, excusez-moi, vous suivez, j'espère, le Baal Shem Tov HaKadosh pose la question et demande, et dit, alors si personne ne l'entend, pourquoi est-ce qu'elle sort? Alors la réponse est la suivante, c'est que la lumière, elle sort de toute façon. C'est pas que personne ne l'entend, mais personne ne l'entend vraiment comme une voix qui sort du Har-Horev, à parler de Tzadikim. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas comme une voix audible, mais c'est une sensation qu'il y a une voix qui a. Plus tu as des clipotes, moins tu entends la voix. Mais la voix est toujours là.
La voix pour te dire fais la Torah, fais les mitzvot, t'es sur le mauvais chemin, t'es en train de te prendre une porte, tu suis tes émotions, tu suis tes pulsions, c'est pas la bonne chose à faire. Elle est là, elle sera toujours là, et tous les jours, dit le Zohar Kadosh, elle revient. Mais pourtant, l'individu, à cause des clipotes qui sont sur lui, il a plus ou moins, en fonction du nombre de clipotes, de l'épaisseur des clipotes, plus ou moins la capacité de l'entendre. Ici, dit Rabbeinu Akadosh, c'est la même chose. Pour la différence entre Abraham et Ephron. Et c'est pour ça que quand la lumière du tzaddik elle s'obscurcit, chez Omeir qu'en vérité la lumière du tzaddik c'est la plus élevée. Pourquoi? Dit Rabbeinu Akadosh, la preuve c'est quoi? C'est que même dans les mondes supérieurs où il y a déjà de la lumière, beaucoup plus qu'ici, la lumière c'est donc la révélation d'Hachem, où la révélation d'Hachem est beaucoup plus importante en haut. Même dans les mondes supérieurs où déjà il y a une grande révélation d'Akadosh Baruch Hu, la lumière du tzaddik, elle illumine. Alors, à plus forte raison, dans un monde obscurci comme le nôtre, où il n'y a pas de lumière, où on est complètement obscurci, que même une petite bougie, elle serait capable d'allumer toute une salle parce que, et il fait noir. Alors, à plus forte raison que la lumière du tzaddik, qui déjà illumine les mondes supérieurs, elle illumine les mondes inférieurs qui sont notre monde à nous. Il colle Sheken dans la mazé, encore plus dans ce monde-ci. Donc, il fait un colle Sheken, il fait un raisonnement a fortiori. Et pourtant, dit Rabbeinu Akadosh, j'ai un problème. Ben, il n'a pas de problème, il nous donne la solution, évidemment. Rabbeinu ne laisse pas dans les problèmes. Il nous donne des solutions, il est là pour nous donner des solutions pour nous aider à avancer. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, mais j'ai quand même un problème. C'est qu'on voit bien qu'il y a des individus que la lumière de Dieu n'est pas sur eux. C'est-à-dire qu'ils ne connectent pas. Ils continuent à être obscurcis et ils sont déprimés, ils ne sont pas bien. Ils continuent dans leur même pattern, dans la même situation, dans leur même mauvaise conception de la chose. Ils répètent les mêmes erreurs a fortiori, excusez-moi, de plus en plus, et sans en sortir. Mais ils savent que c'est faux, hein. La plupart d'entre nous, on sait que c'est faux quand on fait une bêtise. Mais on est là, on est pris, on dit ouais, mais de toute façon, on se trouve des excuses, et on avance dans la bêtise. Adraba. Alors il dit, je comprends pas. Si déjà la lumière du Sahih, elle illumine les mondes supérieurs, pourquoi elle illumine pas cet homme-là? Il dit c'est à cause de ses propres actions à cet homme-là. Un homme, il doit savoir que ses actions déterminent, c'est eux qui créent l'obscurité. Parce que la lumière, elle est partout. La lumière du tzaddik, elle est partout, encore plus si vous allez sur son kever, par exemple à Ouman ou en Israël. La lumière d'Hachem, elle est encore plus présente, elle est encore plus évidente. Mais pourtant, il y a des gens qui vivent en Israël, qui vont à Ouman et qui ne reçoivent pas la lumière du tzaddik, ou très peu. Pourquoi? Et en vérité, tous, on ne reçoit pas comme on devrait. Pourquoi? Dit Rabbeinu Akadosh, parce que l'homme, il a fait dans sa vie, il a continué à faire, et c'est le résultat d'actes qu'il appelle honteux et des actes de folie. On sait que la Gemara dit qu'un homme ne peut pas fauter sans qu'il y ait un vent de folie qui rentre en lui. C'est sûrement à ça que fait référence ici Rabbeinu Akadosh. C'est-à-dire que l'individu, il fait des actes. Ces actes-là, qui sont des actes qui ne sont pas en accord avec la volonté divine, et qui sont souvent des actes même conscients de non-accord avec la volonté divine, font en sorte que l'individu il crée des écrans sur lui-même, et que ces écrans-là bloquent la lumière du tzaddik et de Dieu de façon générale. J'allais des emarasim raim. Et à ce moment-là, l'individu il va essayer de chercher de la lumière là où il n'y en a pas, où il y en a moins, où il y a un reflet de lumière, c'est-à-dire dans la chokhma des goyim, dans les livres goy, dans la philosophie, dans les autres sciences que ne sont pas ceux de la Torah. Parce que la Torah, comme vous le savez, elle demande aussi beaucoup d'atmada, elle demande beaucoup d'investissement, elle demande aussi beaucoup de remise en question, elle demande beaucoup de prise sur soi des concepts qui sont enseignés. Donc quelqu'un, il veut pas ça, il veut pas se remettre en question, il veut pas travailler sur lui, etc. On en a déjà beaucoup parlé. Donc finalement, il va aller chercher, il a besoin de lumière quand même. Donc il va aller chercher cette lumière-là dans les sciences du monde, dans l'intellectualité, dans la philosophie, dans les débats qui n'ont ni queue ni tête et qui habitent les télévisions du monde entier. Et puis finalement, Chachamim hema le'ara, et c'est pour ça que la Torah nous dit pour faire le bien. Ils ne peuvent que faire le mal, ces gens-là. Ou le hétib l'oyadrou qui a l'aider ma asem araim, enam yecholim, l'itstamesh, klal, besichlam, le hétib, que malgré qu'ils reçoivent un peu de lumière, cette lumière-là ne leur sert pas et ne permet pas qu'ils réussissent à s'éveiller à la condition humaine, à s'éveiller à leurs vrais problèmes, à se changer.
cette lumière-là ne les change pas. C'est le cas d'Aristote, c'est le cas de Platon, c'est le cas de plein de philosophes qui enseignaient des choses et qui faisaient le contraire. Et chacun d'entre nous, on fait un peu ça aussi, il faut se l'avouer à nous-mêmes. Qui im le harar va l'aider que si lout a sechel à l'aider et non y a folir autre ou la vin aura tzadik. Parce que puisque de toute façon le verre il est sale, vous avez beau mettre de l'eau propre, ça reste sale. Alors encore plus quand l'eau est déjà sale, comme les nations du monde qui sont toujours un peu affectées, même si tout vient de la Torah, mais ça a été affecté, remanié, redifférencié par les nations du monde. Donc encore pire, vous allez avoir de moins en moins de capacité de vous nettoyer, ou de nous nettoyer. Évidemment, c'est un tableau assez qu'on peint, qui est assez, j'ai envie de dire, qui est assez triste et qui ne donne pas beaucoup d'espoir. Mais heureusement, Rabbeinu HaKadosh ne nous laisse pas sur ça. Et dans le Hod Gimel, il va dire le tikkun à ça. Il va nous donner la réparation, la façon de commencer à travailler, parce que c'est un travail de chaque instant. La vie est une guerre contre soi-même, une guerre contre la nature qui nous empêche d'être des gens divins, des gens qui illuminent, qui reçoivent la lumière de Dieu à chaque instant, la lumière du Tzadik à chaque instant. Et donc finalement, nous dit Rabbeinu HaKadosh, la première chose qu'un homme il doit faire, c'est qu'il doit rectifier une chose qu'on appelle Bechinat Mizbeach, l'aspect de l'autel. C'est quoi l'aspect de l'autel? À l'époque du temple, le Mizbeach servait à sacrifier les sacrifices animaux qui étaient apportés pour différentes raisons, soit parce qu'il y avait eu un khatat, quelqu'un qui avait fauté, qui voulait demander pardon. Alors à ce moment-là, il a posé les mains sur l'animal pour démontrer qu'effectivement, il reconnaissait son acte bestial, puisque tous les actes de façon générale qu'on fait qui ne sont pas divins dans le sens qu'ils ne sont pas l'expression de l'homme, ils sont finalement l'expression de l'âme animale qu'on a en nous, ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi. Donc on amenait cet animal-là, où ça pouvait être un peu plus élevé, comme ce qu'on appelle le Toda, c'était l'offrande qu'on faisait en remerciement. Et il y avait plusieurs types d'offrandes comme ça qu'on amenait. Pourquoi il nous parle de ça? Parce que c'était une façon de faire pardonner le peuple d'Israël. Comment faisait pardonner le peuple d'Israël? En vérité, ces offrandes qu'on faisait à l'époque amenaient la kapara. La kapara, c'est une sorte de. Ouais, c'est une expiation pour la faute qui avait été faite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être expié? Eh bien, ça veut dire que la clipa, elle s'enlève. Ça veut dire que la clipa, elle brûle. La clipa qui a été créée par le mensonge, par l'insulte, par la vision non appropriée, par des actions non appropriées peut-être aussi. Alors la clipa, elle va brûler grâce au temple, grâce au sacrifice du temple, grâce au Kohen, qui est le tzaddik, qui va apporter ce sacrifice-là. Très bien, maintenant on n'a plus de temple, comment on fait? Ourak bichrinat mizbeah, achila. Alors, dit Rabbeinu HaKadosh, aujourd'hui, le Mizbéa, le Mizbéa, donc c'est l'autel sur lequel on amenait ses offrandes, c'est la table d'un homme, la table sur laquelle il mange. Dit Rabbeinu HaKadosh, la première chose à faire pour essayer d'affaiblir les clipotes au maximum, c'est travailler sur la nourriture et sur la façon de manger. C'est-à-dire qu'un homme, il doit être capable de ne pas être au service de sa nourriture, mais bien contrôler sa nourriture dans un but spirituel. Qui a écarté les quatre sirops d'Aïno à Clipote ou Rag Bifrinat Mizbeya. Aïno, Bifrinat Achila. Donc Rabbeinu il dit, et c'est le Zohar, d'ailleurs il rapporte le Zohar ici, que le Mizbeya c'est l'aspect de la nourriture. Kishulchano chez la dame. Donc pas car la table d'un homme, mais Chaper Kamizbeya, elle expie les fautes, donc elle brûle les clipotes de l'homme qui ont été créés par les fautes, si vous avez compris l'introduction, enfin ce que Rabbeinu a expliqué déjà précédemment. Donc, si elle brûle les clipotes de l'homme, donc tout ce qui s'est accumulé sur lui à cause de ses fautes, elle les brûle comme le faisait à l'époque du temple l'apport de ce sacrifice-là, du Mizbéa, de ce taureau, ou ça dépendait en fonction de quelle offrande on faisait. Et c'est écrit dans Brachot, Nun Aleph, donc 55 Amud Aleph, Nun He Amud Aleph, excusez-moi, ou Misham Ikar Inikatam. Et de là-bas, c'est l'essentiel qu'elles tirent leur subsistance. Donc, dans Maaseret Brachot, dans la Gemara, nous dit la Torah que les clipotes, non seulement une fois que vous avez fauté, elles s'agrippent sur vous, mais en plus, elles grandissent, elles grossissent, elles s'épaississent avec le temps. Et comment elles s'épaississent avec le temps? Dit la Gemara, l'essentiel de leur nourriture vient de la nourriture de l'homme, de comment l'homme se comporte avec sa nourriture. Plus l'homme a une relation divine, a une relation spirituelle avec la nourriture,
Et plus il affaiblit, et moins il donne à manger à ses clipotes, et donc moins elles durent, et plus elles s'évanouissent. Et plus l'homme, il a une relation bestiale et matérielle avec la nourriture et avec sa table c'est donc là où il mange, plus l'homme, à ce moment-là, il aura une relation qui sera une relation, il donnera du pouvoir, ses clipotes vont se nourrir de cette nourriture-là et vont grossir et s'épaissir, et moins il va, encore une fois, pouvoir recevoir la lumière du Tzadik et la lumière d'Hachem. Alors, évidemment que dans toute la littérature, dans toute la Torah, la littérature toraïque, on peut trouver différents conseils. Le Rambam en rapporte, le Ramban, le Rabbeinu en rapporte aussi beaucoup. On va en rapporter quelques-uns par rapport à la relation à la nourriture. La première, c'est de manger lentement, avec dignité. Et pas comme quelqu'un qui serait glouton ou qui serait avalé par la nourriture. Quelqu'un qui contrôle sa nourriture en mangeant lentement, c'est une première façon de diminuer la source d'énergie qu'il donne aux clipotes qu'il a. La deuxième chose qu'il y a à faire, manger en éprouvant de la crainte du ciel. Ça veut dire quoi, manger en éprouvant de la crainte du ciel? Je mange, ça veut dire éprouver la crainte du ciel. Alors, pendant que vous mangez, vous êtes conscient et vous pensez parce que vous mangez pour vos besoins de servir à Kadosh Baruch Hu, pour donner des forces pour votre service divin. Alors, ça peut être votre travail, ça peut être votre relation avec vos enfants, ça peut être vos relations avec votre famille. Mais cette nourriture-là doit être dans ce but-là, et c'est une conception, c'est une notion que vous devez avoir dans la tête au moment où vous êtes en train de manger. Troisième niveau de Gdusha, c'est évidemment manger de la nourriture cachère, ça c'est même la base. Et en fonction de quel type de nourriture, hein, vous savez par exemple qu'en Israël, pour les Sfaradim, il y a ce qu'on appelle certains types de nourriture, surtout au niveau des viandes, ou bien même au niveau du lait, halav Israël ou pas halav Israël, qui sont liés ou pas. Tout ça fait en sorte que vous allez avoir une relation plus spirituelle avec la nourriture. Et finalement, évidemment, c'est tout ce qui concerne ce qu'il y a autour du repas, c'est-à-dire toutes les brachot, toutes les bénédictions que vous allez faire avant, si elles sont faites bekavana, c'est-à-dire kavana c'est quoi? En pensant à ce que vous dites, lentement, et pour vraiment être là pour glorifier Dieu, que ce soit avant ou après le repas, et tout ce qui entoure la nourriture, si vous allez manger du pain, vous allez faire un Netilat Yadayim, qu'il soit fait avec les kavanot aussi, que vous pensiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, que vous fassiez attention aux règles, qui est d'aller jusqu'à l'os ici, pour recouvrir la main, de recouvrir toute la main en la bougeant, etc., etc. Toutes ces actions qui ont l'air de rien du tout, vraiment, on parlerait à des enfants de 3 ans. Quand on éduque nos enfants, c'est comme ça qu'on les éduque. Faites attention à bien faire les Netilat Yadayim, faites attention à manger doucement, à vous asseoir proprement. Il y a rien d'extraordinaire dans ça. Eh bien, dire Rabbeinu HaKadosh, sachez que c'est la base, c'est le premier niveau pour ne pas entretenir les clipotes qui nous entourent, qui nous empêchent de recevoir la lumière divine. Donc, la première chose, dit Rabbeinu HaKadosh, c'est de faire attention. Et Rabbeinu, on le sait, a beaucoup jeûné. Après, il a dit que de notre génération, c'était probablement pas la bonne chose à faire, mais il faut savoir que c'est quoi le principe du jeûne. C'est la même chose que le sacrifice. Le sacrifice, on le mettait sur l'autel et ça brûlait. Le jeûne, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle les graisses. Donc en vérité, vous êtes en train de brûler un sacrifice de vous-même. Quand vous jeûnez, vous sacrifiez un peu de vous-même. C'est le principe du jeûne. Donc un individu, peut-être qu'on n'est pas au niveau du jeûne, mais l'individu qui va laisser de la nourriture de côté, qui va manger doucement, qui va faire attention à ce qu'il mange, qui va avoir une relation saine avec la nourriture parce qu'elle est là pour le servir et pas lui pour la servir, alors à ce moment-là, il va diminuer. Au début, c'est très difficile, c'est comme un régime, c'est comme n'importe quoi, c'est très difficile au début, mais petit à petit, il va diminuer la source de nourriture de ces clipotes qui sont déjà présentes, donc de ces barrières qui l'empêchent de recevoir la lumière divine. Évidemment que c'est un des étapes, c'est le début, évidemment que. Après ça, il y a une relation qui va être plus la relation avec le regard, la relation avec la parole, la relation avec l'ouïe, la relation avec tous les sens vont devoir être améliorés et sanctifiés. Mais la première étape, nous dit Rabbeinu HaKadosh, ça passe par la achila, ça passe par la nourriture. Et petit à petit, va se sanctifier petit à petit tous les autres éléments du corps. Et donc, dit Rabbeinu HaKadosh, quand un homme il fait attention à manger tout ce qu'il faut, alors à ce moment-là, il fait de son autel, donc de sa table, un tikkun, une réparation. C'est-à-dire qu'il mange kasher, azay, nirnaim, aklipot. À ce moment-là,
les forces du mal se font éliminer. Donc kasher, on a dit, c'est manger lentement, c'est manger en éprouvant la crainte du ciel, c'est manger la nourriture kasher, c'est manger avec les bras droits avant et après, c'est manger assis, c'est manger pas sur le pouce dans la voiture ou en train de marcher. C'est plein de facteurs qui sont tout à fait logiques et qui ont presque même pas besoin d'être dit et qu'on vous diriez à vos enfants pour les éduquer. Alors on s'éduque soi-même. Et ah, tsarir, alors à ce moment-là, qui en et qui enonoten la hem koa vechiyut, puisqu'il donne pas de la vitalité à ses clipotes, im kede chiyuno, betimsum chez emuchrach liten la hem, kayadua, aval enonoten la hem, shum koa vechiyut termir vechiyutam, puisqu'il fait attention de ne pas donner plus que ce qu'il le minimum restreint pour donner, pour vivre, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors il doit savoir que c'est ça la première étape pour finalement recevoir la lumière du tzaddik et commencer à ressentir de la crainte et de l'amour. Vous allez me dire que ça a à voir de la nourriture avec la crainte et l'amour d'Hachem. Si Rabbeinu nous le dit, il est passé par là, et il le sait, il est allé en haut, il a vérifié. Et s'il dit que c'est la première étape, c'est que c'est vraiment la première étape. Alors c'est vrai que c'est une étape qui peut être très très difficile, qui peut être compliquée à gérer pour la plupart d'entre nous qui sommes, surtout si vous appelez les gens d'Afrique du Nord, qui ont un lien très très fort avec la nourriture. Mais ça commence par là, ça commence à une relation qui est plus saine avec la nourriture. Et lorsque vous avez une relation plus saine avec la nourriture, vous allez commencer à avoir une relation plus saine avec Dieu. Ce qui est complètement fou, mais ce qui est vrai. Parce que, puisque vous savez que la nourriture rentre dans votre sang, et que le sang c'est ce qui nourrit le cerveau, donc en vérité, maintenant, votre cerveau, votre esprit va s'élever et va se purifier. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Baba Kama Ain Bet, dans Baba Kama à la page 71b, Bevaya Divra Rava Rav Nachman est venu voir Rava pour lui poser une question. Il lui a posé la question en fin d'après-midi la veille, enfin après qu'il ait mangé la veille. Et il lui a répondu une réponse. Et puis le lendemain matin, en se réveillant, il est parti voir Rav Nachman. Il lui a dit: la réponse que je t'ai donnée, c'est pas la bonne. Voilà maintenant la vraie réponse. Alors on lui a dit: comment ça se fait que tu as changé d'avis entre hier et aujourd'hui? Et Rava, très humblement, lui a avoué que dès qu'on mange quelque chose, on a l'esprit un peu flou. Et j'avais mangé, il avait mangé à ce moment-là, il n'avait pas encore digéré la nourriture. Et il n'avait pas réussi à se séparer de cette nourriture-là. Et donc son esprit n'était pas encore clair. Et le lendemain matin, l'esprit plus clair. C'est peut-être une raison pour laquelle le matin on a toujours l'esprit plus clair. Peut-être parce que ça fait déjà au moins 8 heures qu'on n'a pas mangé. C'est peut-être aussi pour ça. C'est pas ce qui est écrit chez Rabbeinu HaKadosh, mais c'est une déduction qu'on peut faire. Que puisque ça fait 8 heures qu'on n'a pas mangé, alors on a une relation avec la nourriture qui est plus vraie, qui est plus éloignée. Et donc la nourriture a moins d'influence sur nous. C'est souvent le matin, on n'a pas faim d'ailleurs. En général, de façon générale, on prend un café et puis on est tout de suite très bien. Alors même si on vous demande, on vous offre une entrecôte qu'on vous auriez sauté dessus la veille, et ben le matin ça vous dit rien. Donc avoir votre relation avec la nourriture est complètement différente de matin, et on voit de là que ça influence directement votre esprit, votre jugement. C'est pour ça que souvent il est bon de ne pas prendre de décision la nuit. Il faut attendre le lendemain matin. Et ça c'est un enseignement des sages. D'ailleurs c'était le cas dans la Gemara. C'est rapporté qu'un homme, il avait demandé à son fils une seule chose sur son lit de mort, c'était que quand il va s'énerver, qu'il attende la nuit, que le lendemain, s'il va encore s'énerver, qu'il s'énerve, mais qu'il ne s'énerve pas tout de suite. C'est très difficile à faire, vous imaginez bien. Mais c'était le testament, c'était un très beau testament, je trouve, d'un père à son fils. Et d'ailleurs, ce fils-là, durant sa vie, avait dû quitter sa famille pour aller faire des affaires à l'étranger. Il était resté plusieurs années à l'étranger. Et en revenant chez lui, il entend derrière la porte sa femme parler avec un jeune homme, avec un homme. Et tout de suite, la colère lui monte, il a envie de tirer son épée. À l'époque, c'est son poignard, je ne sais pas ce qu'il y avait, son couteau qu'il avait sur lui pour tuer. Il pensait que sa femme l'avait trompé. Et puis, il se rappelle de ce serment qu'il avait fait à son père, que s'il s'énervait, alors à ce moment-là, il attendrait le lendemain pour agir. Et puis, il rentre chez lui et il se réalise qu'en vérité, l'homme qu'il avait entendu derrière la porte était en vérité son fils, et que sa femme était tombée enceinte la veille de son départ. Et ces années passées, il avait retrouvé un jeune homme qui était au chevet de sa mère. Et donc on voit de là, et de là ça nous apprend évidemment que de façon générale, dans la colère aussi, il faut savoir se contenir. Et de là aussi on apprend que la nuit porte conseil. Une des raisons pourquoi la nuit porte conseil, c'est parce que
il y a cette relation de distance qui se crée entre vous et la nourriture. Et voilà, vous voyez ce qu'il y a exactement, puisqu'il n'a pas mangé, donc là, son esprit était pas affaibli. Nimsa shaliyedeze shelo achal lo aita da'ato tzelula, ki aliyede achila nichna akislut vitgadel asechel. Même quelqu'un qui mange, comme ici, Rava, qui est donc un tzaddik, qui mange de façon totalement pure et propre, et doucement, et en laissant de la nourriture à la fin dans son assiette, et tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne pour... Vous savez qu'on a été éduqué à finir nos assiettes. C'est un très très mauvais mode d'éducation de vouloir forcer l'enfant à finir son assiette. Il faut que l'enfant y mange à sa faim et au contraire qu'il s'habitue à laisser dans son assiette et pas à la finir. Alors on a ce sentiment d'infériorité peut-être qui vient d'Afrique du Nord où il y avait peut-être peu à manger ou quand on avait à manger c'était faire honte de laisser dans l'assiette. Mais sachez que c'est pas une bonne chose, qu'il faut habituer les enfants et les adolescents même à laisser dans leurs assiettes et nous-mêmes à laisser dans nos assiettes, comme le dit le Rambam. Donc dit ici, chez Zebechinat Gnava Misbeyar, Azayon Kimaklipot, de Hainu Aksislot, Yoter Meharu. Il dit quelqu'un qui mange, même s'il mange d'une façon totalement saine, il faut qu'il sache que son esprit va être troublé à ce moment-là. Mais Azay Midgaber Akislot vers la Serelle, Aval Lede Achila Karaou, Nirdaï. Mais quand il mange normalement, tout est en tout cas purifié dans une grande majorité des cas. Vous suivez jusqu'à maintenant, c'est bon? Et on va finir sur cet aspect-là dans la haute guimelle. Et c'est ça qu'on dit dans la Torah, enfin dans la Gemara qui est dans Zvachim, Nun Gimel. Misbeyar bechelko shel toref. L'hôtel fut le loup de toref. Toref, c'est un prédateur. Prédateur, c'est donc le loup prédateur que Binyamin a eu reçu cette bracha-là de son grand-père, enfin de son père en vérité, Yaakov. Et qu'il a appelé un loup prédateur. Et en vérité, on sait que le temple était dans la tribu de Binyamin en Israël. Le terrain de Binyamin, c'est lui qui a reçu le temple. Et donc là, on sait quoi? On sait d'une chose, qu'on a dit que tout le plaisir que Hachem reçoit, c'est parce que le malchut d'Hachem est dévoilé. Ça, c'est David, c'est Yehuda. Mais Binyamin, lui, il vient enlever la klipa qui empêche que Yehuda puisse s'exprimer. C'est d'ailleurs pourquoi on a eu le premier roi d'Israël qui était de Binyamin. C'était la klipa finalement qui s'est enlevée. Et ensuite de ça, David est né. Binyamin, c'était Shaoul. Shaoul a fait des erreurs dans sa royauté. C'est pour ça qu'il a perdu la royauté. Mais en vérité, c'était tout calculé par Hachem. Et finalement, et en vérité, jusqu'à maintenant, le dernier roi qu'on a eu, c'est en vérité Mordechai, qui est aussi de la tribu de Binyamin. Mais finalement, la première royauté, celle de Binyamin, parce que c'est elle qui va enlever la klipa. Et comment nous dire à Benou que chez Binyamin, on peut enlever la klipa? C'est parce que c'est lui qui a l'autel, c'est sur son territoire que l'autel se fait. Et en vérité, c'est sur son territoire qu'on fait les offrandes au Misbéar. Donc finalement, il devient prédateur teref. Et il dit à Benou Akadosh, Bechinat Achila Kekbekashkot, ça c'est quand un homme il mange avec sainteté. Chale Deze, Machniaim, Vetorfim, Otam, Aino, et Aklipot, Veraksilot. Mais quand un homme il n'arrive pas à manger avec sainteté, alors donc sa nourriture il y a un gam, il y a un défaut dans sa nourriture, elle est des enoten koar le akislut. À ce moment-là, il ne devient pas teref, mais terouf. Terouf, c'est la folie et un esprit qui devient un peu qui prévaut sur l'intellect. Et donc cet esprit-là, lui, il est abîmé. Donc de là, on peut comprendre. Premièrement, on a dit qu'un homme, il faut qu'il sache que souvent il est loin de Dieu et que la première chose à faire, s'il a une volonté, la première chose à faire, c'est d'avoir la volonté. Si on n'a pas la volonté, on ne peut rien faire, ça c'est sûr. À part prier pour avoir la volonté et demander à Hachem de nous donner la volonté de vouloir et puis de vouloir et puis de vouloir tout court. Mais quand un homme il veut se rapprocher d'Hachem et qu'il se sent loin et qu'il n'arrive pas à sortir de ses patterns, de ses mauvaises habitudes, alors il doit comprendre que la première chose à faire, c'est un bon régime. Non, je rigole, c'est pas un bon régime, c'est une relation avec la nourriture qui est plus saine. Et lorsqu'il arrive à atteindre une relation avec la nourriture qui est plus saine, il commence à gravir l'échelon du rapprochement avec le tzaddik, de la lumière du tzaddik et de la lumière d'Hachem. Amen, Ken Yiratson. Qu'on soit à Zoré pendant ce Shavuot, puisqu'on sait que le Shavuot aussi, vous savez que le Harizal il dit que celui qui a compté les 49 jours. Et qui le soir de Shavuot va faire la veillée sans fermer les yeux et va lire tout le tikkun du Harizal
et va finalement faire le mikvé, et ensuite va faire Nets, va arriver après toutes ces étapes-là, et même il y en a qui disent qu'il va préparer un repas à la sortie du Nets, donc à la sortie de sa tefila, pour manger sur du pain tout de suite. Alors, en général, on fait un repas laitier en commémoration, même si c'est pas vraiment la Torah, n'est pas une commémoration, mais en rapport au fait que la lumière de la Torah à ce moment-là, on l'a reçue, et aussi nos ancêtres ont mangé laitier. Donc, tous ceux qui ont fait toutes ces étapes-là, alors ils auront un cadeau extraordinaire qui s'appelle que les clipotes s'effaceront. Les clipotes qui empêchent l'individu de recevoir la lumière de la Torah vont s'effacer le matin de Shavuot si toutes les étapes, donc les 42 jours, ont été comptées. La soir de Shavuot, qui est l'un des soirs les plus élevés de l'année, avec celui qui a précédé 49 jours plus tôt, qui est 50 jours plus tôt, qui est celui de Pessah. Mais le soir de Shavuot, à ce moment-là, on va rester réveillé. Celui qui aura dormi, il faudra dormir la veille. De toute façon, c'est Shabbat cette année, donc il va falloir dormir pour pouvoir être prêt pour ne pas dormir pendant la soirée de Shavuot et lire, juste lire. Le mieux à faire, c'est lire tout le Tikkun du, même si celui qui lit doucement, il lira peu. Celui qui lit beaucoup, il lira beaucoup. Celui qui lit vite, lira beaucoup. Mais l'essentiel, ce sera de lire avec le cœur, en voulant se rapprocher d'Hachem. Juste de travailler son vouloir, sa capacité de grandir le vouloir de se rapprocher d'Hachem. Et Hachem, à ce moment-là, éliminera les clipotes ce soir-là, parce que c'est une grande ségoula du Larizal, que ces clipotes-là s'éliminent ce soir-là. Et en éliminant ces clipotes, il pourra grandir aussi. Il est bon de ne pas manger cette nuit-là, après donc le repas qu'on aura fait la veille. Et déjà, dans le repas qu'on aura fait la veille, pour ne pas dormir, il faudra manger peu. Donc c'est encore une relation avec la nourriture. Même si c'est une fête, on mangera de la viande, on boira du vin, mais on le fera de façon très très modérée. Et toute la nuit, il sera bon de ne pas, même s'il y aura des gâteaux, des fruits dans les différentes synagogues, il sera bon de ne pas toucher à ces éléments-là si on est capable de tenir sans ça, parce que c'est aussi une relation avec la nourriture qui doit être réparée. Et finalement, lorsqu'on rentrera dans le mikvé, on pensera à faire tchouva sur toutes les fautes qu'on a faites, en particulier les fautes de znout, de mauvaises pensées, de mauvaises visions qu'on a eues sur les femmes, sur les hommes, si c'est des femmes. Enfin, les femmes ne rentrent pas au mikvé, mais on parle des hommes ici, donc sur les hommes. Sur les femmes, parce que c'est aussi un tikkun abrit, ce moment du mikvé. Ensuite de ça, on essaiera de ne pas dormir, il faudra pas, on essaiera, on ne dormira pas pendant la tfila, en essayant de se concentrer et de parler avec Akadosh Baroukh Hou à travers les mots de la tfila. Et finalement, on rentrera manger notre repas, notre petit déjeuner, et dormir même un petit quelques heures après, il n'y aura pas de problème pour ça. C'est aussi un jour très propice, Shavuot, je vous le rappelle, puisque c'est la Hiloula et du Baal Shem Tov. Et selon certains avis en tout cas, et de David Ameller selon pratiquement tous les avis, que ce soir-là, enfin ce jour-là, il est bon de lire le livre de Ruth qui rapporte la naissance, l'origine de David Ameller, mais aussi de lire les Tehillim en majorité cette journée-là, si on a le temps et si on peut. C'est une très très bonne chose pour les femmes qui resteront à la maison la nuit. Il sera bon à partir de Khatsot, puisque c'est le moment à peu près où les hommes vont quitter pour aller à la Beth Knesset, de lire des Tehillim en l'honneur de David Ameller. C'est aussi une façon de faire tshuva et d'éliminer les clipotes, pour les femmes en tout cas, ce soir-là. De lire beaucoup de Tehillim avec ferveur, avec amour, avec crainte, parce qu'on est des juifs, parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on a été créés pour ça, et parce que c'est de ça que Hachem se réjouit de nous. Voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. J'espère que vous l'avez reçu, et que ça vous influencera positivement pour cette semaine qui vient de préparation à Shavuot, puisqu'on approche Chodesh Sivan aussi, qui est cette semaine, mais aussi pour Shavuot elle-même, le don de la Torah. Vous savez que c'est rapporté dans le Zohar que toutes les pages de la Torah et toutes les chidushim, même juste les enseignements de Torah que vous allez recevoir toute l'année, vont être décidés à Shavuot. Donc en fonction de la volonté que vous montrez à Hachem, de vous se rapprocher de lui et de vouloir lui faire plaisir, de vouloir lui montrer de la Hitparout, en tout cas de lui donner du plaisir et de se rapprocher, de le craindre et de l'aimer. Même si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, mais vous avez cette volonté-là, alors en fonction de ça, Hachem, il sera capable de vous le rendre et de vous enlever les clipotes qui vous empêchent de le faire vraiment. Voilà, merci à tous, à bientôt.